Salut à tous, bienvenue. Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo off stream tryhard, messieurs dames. La reprise du coup, hier c'était une journée un petit peu de chill. J'avais pas forcément le niveau que je voulais, mais aujourd'hui voilà, j'ai un peu joué hier, ça s'est bien passé, on grind tranquille. Donc là ça reprend les choses sérieuses. Bon bah du coup masterclass, on est parti. Un matchup Harry. J'ai aéré, alors attendez, je vais remettre bien la cam parce que c'est un peu compliqué cette histoire de cam. On est contre Harry. Avec Airy, et normalement je dois la tuer en boucle. Alors on est toujours en émeraude 1 des 4. Ça commence à jouer un peu, donc faire attention. Mais dans tous les cas, je vous avais expliqué dans la dernière vidéo l'importance de juste bien jouer en fait. Hein. C'est-à-dire que peu importe l'adversaire, il faut juste bien jouer. Alors j'ai un nouveau tapis de souris, je suis grave content. Je l'ai acheté au Japon. J'ai pris un artisan yen, avant j'utilisais un Shidenkai. Là j'ai un beau tapis tout neuf, et magnifique. Donc j'avoue que je suis assez content parce que je le sens vachement plus à l'aise qu'avant. Et puis surtout il a une super durabilité ce tapis, donc c'est assez agréable. Alors, j'ai raté mon premier Q, c'est très mauvais signe, mais elle a pas riposté. Oh, le taux attaque est parti, magnifique. Alors, elle s'était beaucoup plus long que moi sur son Z que moi sur mon Q. Je peux lui mettre quasiment, ouais, je peux lui en mettre 2 pour 1, quoi. Et ça valait le coup, si elle a proqué crocute. Ah, ça touche encore, ça commence à faire beaucoup, là. Attention, Harry, quand même, attention. Chaco, le premier jungle, ouais, il va arriver mid. S'il vient mid, je pense que je gère. Vous avez vu, je reste upside, je suis super chiant. Elle a pris le Q, elle a pas pris le E, donc là je suis safe. Hop, ça touche encore, magnifique. Elle est un peu bête de pas flasher, mais je veux juste trade flash. Donc là, elle a Harry un peu le seum. C'est normal d'avoir le seum. Elle comprend pas ce qui vient de lui arriver, c'est normal. En même temps, qui aurait flashé sur ça? Qui est assez con pour flasher sur ça? Attention parce qu'elle a encore son flash. Bon, j'ai le 2 de son farm et ça crash, donc ouais, elle va essayer d'engager de crash. En fait, c'est très bête de freeze là. Pour la simple raison que moi je vais TP, donc au pire je perds 2-3 CS. C'est pas comme si elle me deny 4 waves d'affilée. J'ai vendu une potion pour acheter un tome d'ampli, donc on en est là. Là, c'est destruction. Abattre l'ennemi! Ok, bon, j'ai quand même perdu la wave au final. Elle a bien joué sur le tanking. Attends, j'ai dû faire un retour Windows quoi. Le Chaco peut venir quasiment que par au-dessus de moi. Donc là, ouais, il est bot de toute façon. C'est pas mal géré. Alors, on évite juste le E. Ouais, c'est chiant de prendre le retour quand même. J'aurais bien aimé qu'elle le lance, mais elle l'a pas lancé. Après, bon, regardez le trade. Hein. C'est moi qui gagne. Elle va même écrire un truc dans le chat là. Attends, je mets une grosse domination. Je touche quasiment tous mes sorts. Et oui, je suis trop loin. Là, je me fous un peu de leur gueule là. Oh, ça s'accepte. Oh, ça accepte. Alors là, ce clic était même pas volontaire. Assez incroyable. J'aime pas comment je l'ai esquivé son E. En vrai. Essaye de la tuer là. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Franchement, là, ça donne envie, mais. J'ai pas une si grande avance que ça, mine en plus. Elle a son flash, je l'ai pas. Je pense que je fais de la merde là. Faudrait crash cette merde là vite. Ah, il y a Chaco, je crois. Non? Bizarre comment elle a avancé en fait. Il y aurait eu Chaco, j'aurais juste focus Chaco en kite envers la gauche. Et normalement, Harry aurait même pas pu follow. Ça aurait été kill. Elle a un petit Q. Voilà, parfait. Sans prendre de coup de tour, important. On voit toujours pas Chaco. Je vous parlais hier de l'importance de voir ce qui se passe sur la map. Bah, ça va, j'ai un peu repris le contrôle de ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va warder ici. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il arrive de là. Il me voit avoir des livraisons depuis tout à l'heure, donc. Après, c'est pas une super round non plus. Bon, allez, on train de back. Ah, c'est dommage que je puisse pas la cancel. Ouais, bon, là, c'est un peu de la merde. Ça coule, ça gagne quand même. C'est pas trop mal, là. Ma team fait pas trop de la merde. Ouais, là, elle va être 6, faut faire attention. Normalement, je suis quand même 6 un peu avant elle. Ouais, c'est même sûr, j'ai un peu plus d'XP. Ah, faut voir. Fais attention quand même, parce qu'à un moment donné, elle m'a deny 5 crit. C'est même plus que ce que je lui deny, en fait. Ah, je voulais vraiment juste mettre le. Bon, on va back. De toute façon, là, j'ai pas mal de gold. On sécurise, hop, allez je vais back, il y a Chaco bot lane, c'est cool. Là j'ai une belle avance quand même, 15 CS et j'ai un super, en fait la wave, je viens de crash la wave. Je vais pas faire de grand chose, ah là elle va dash. Bon, ouais. Peut-être il s'en sort. Ah, non. Oh la raté. Il est même dans un kill, il a plus de mana. Il peut gagner, oh, il peut gagner bordel. Elle meurt des trucs. Non mais attends, mais c'est une blague. Mais... Non mais attends, ça c'est très drôle ce qui va se passer quand même, parce que là... J'ai mal les abdos parce que j'ai une grosse séance hier.
Mais bordel, c'est tellement con, putain. Elle a full, mais elle a tout mis, elle est dans la merde depuis tout à l'heure. Et elle était où, mais elle avait pas la mana pour le finir, il manquait un Q. Ou un Z. Elle l'avait, hein, mais elle avait pas la mana. Parce que lui, je le dive. Hein. Ah non, mais attends, mais... Ah là, je viens de prendre le fear, je ne sais pas pourquoi. Littéralement. C'est con parce que je le one shot. En fait, j'aurais pu le dive, là. Ah, on dirait pas comme ça, mais si. Allez, il va revenir, du coup. Moi, je veux juste un V2, là. Oh. Alors, attends. Je sais pas ce qu'il vient de faire, mais c'était pas terrible. Bon, elle a plus de sort, on va en profiter. Ah, si. Ah, je vais devoir me suicider pour la tuer. Je la tuerai pas. Ah, il y avait Pike, ok, tant mieux. Bon, allez, là, le problème, c'est qu'on va avoir Pike et Shaco permamide. Donc là, je vois Pike, donc c'est cool, je vais pas push. Je vais pas me mettre trop dans la merde. Là, faut vraiment qu'on stompe toutes les games dans cette série. Je sais que la plupart des gens veulent me voir arriver en Diamond Master. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que... Je sais que les vidéos feront plus de vues quand on arrivera à un bon elo. Mais là, j'avoue que... Ouais, au moins Master, quoi, même si c'est pas non plus... tellement de dégâts. Ils sont tous bas, de toute façon, c'est pour ça que je me permets. Mais j'avoue que, ouais, je pourrais aussi rush et mettre moins de vidéos. J'ai tout mal joué. Je voulais flash, j'ai appuyé sur X. X est pour me téléporter sur... Enfin, j'ai appuyé sur C, c'est aller sur Diego. En fait, je voulais flash vers le bas. J'ai paniqué. Oh, mais c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Genre là, on a une Jinx très faite en face. Ça va être notre target tous les fights. Je vais essayer de la fumer. C'est Shaco, donc bon, bah, ils ont pas un super late. Et puis Shaco, s'il était très fait, il pourrait avoir un bon mid-game. Mais là, il est pas si fait. Alors par contre, calme-toi. C'est un peu énervant, là. Parce que je rate trop de spells. J'ai envie de la flash air, en fait. Non, mais vraiment, je prends l'aller-retour, quoi. En fait, c'est que ça depuis tout à l'heure. Je prends les allers-retours à chaque fois. Je sais pas d'où ça sort. Ah, c'est vraiment dommage cette game. J'avais un énorme lead et je l'ai gâché. Je crois que je la tue. On va prendre le gros crit. Elle va le E en fait. Elle l'a pas E, mais en tout cas. Oh non, mais vraiment. J'ai pris un body block. J'ai pas vu cette step. Vraiment, j'allais partir à la droite. Le crit m'a ramené vers la gauche. Et du coup, j'ai raté cette step. J'aurais 100% dodge vers la gauche. Ok, dommage. Elle avait pas le temps de réagir à la flanque. Ah, la mousse speed, on ne dérange pas. Elle a tout encore. Elle vient de récupérer son ulti à l'instant. Elle l'avait pas juste avant, j'aurais dû la tuer. J'ai pris le bisou. Ouais, il va la tuer, c'est cool. Oh, s'il te plaît. Ouais, bien joué. Super. Voilà, plus ulti de toute façon. Plus de flash. Ah, c'est super frustrant là. Parce que je bouge vraiment tous les bisous depuis le début de la game quoi. Voilà, en ping bot, très important. C'est pour ça que c'est important d'avoir les maps. Même si en fait ils sont en train de gagner ou quoi que ce soit, en fait ils ont l'info qu'il y a Shaco. Et ça leur permet de voir. Ou qu'au moins il y a quelqu'un qui est en train de décaler s'ils peuvent pas regarder leur minimap. Ça leur permet de jouer un peu mieux le mauvais là, ils vont faire tripler. Hein. Peut-être pas. C'est pesant. Il y a mon shutdown sur Nautilus qui était à 3-0. Ah, c'est quand même pas très bien joué de ma part. Mais après, bon, vous avez vu, on a quand même bien dominé leur lit. On a tué Shaco en V2, leur lit. On a eu l'impact qu'on doit avoir, on est le millénaire qu'on croit être, mais on peut être un millénaire encore plus fort. Il y a Pike mid, je crois que je l'ai pas vu. Mettons une plaque là, on va forcément devoir marcher dessus. C'est un peu énervant. Super. Il a essayé de me faire, mais il a pas les dégâts. Alors là, il m'a mis un 7 step le Pike, j'ai un peu les nerfs. Ok, ça craint. Il meurt, hein. Ok, super. Il pouvait pas dash en fait, je l'avais mis la flaque. En fait, je m'en foutais de me faire grab. Limite, c'était pas mal. Il avait pas les dégâts avec grab plus auto-attaque pour me tuer. Il avait les dégâts qu'avec le snare. Enfin, le petit stun là. De toute façon, je vous ai dit dans tous les fights, je vais juste focus sur Jinx. Ça devrait bien se passer. Il a fait quelques dégâts. Faudra faire attention là. Je crois qu'elle se rend pas compte de ma range là, Jinx. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Elle est morte. Ouais. Et oui, c'est à l'évitant. Ouais, je vous ai dit, en fait, à sa façon dont elle avançait, elle comprenait pas que je pouvais toucher mes Q et ça se voyait. En fait, à la façon où les ennemis vont space votre personnage, vous pouvez savoir s'ils connaissent le match-up, mais même sans lancer de sort, juste la façon dont ils gèrent la distance, s'ils sont prudents ou pas, ou s'ils avancent tête baissée. Des fois, justement, quand un mec avance pas tête baissée, alors que la match-up et la range, ça se connaît pas bien. C'est pas le vrai, évidemment. Là j'ai esquivé les trucs. Alors Pike, je sais pas comment il s'en sort, mais j'ai pas compris pourquoi Diego il a arrêté de le chase. Oh, elle a raté.
profondeur. J'ai voulu en mettre un peu, mais c'est du pur troll. Je suis un gros connard en fait, je suis un gros connard. J'en prends plus, faut pas déconner non plus. C'est peut-être dans le bush. Non, c'est bon. Hein. Oh, c'est bon. Je la slow. On a ulti sur Harry. Ah ouais, ça commence à être chiant là. Elle a encore un dash. Ah, elle est chiante là. Elle va péter un peu. Là. Oh non! Oh, c'est pas juste. Je sais pas pourquoi il focus. Le seul qui a un dash. Ok. Allez, ça va. On va tuer le clone quand même. J'y arrive évidemment. Là, on va essayer de rattraper le Jinx. Allez, ce que vous avez vu, j'ai juste mis un E pour sécuriser le contrôle. Très simple. Hein. Vous avez vu, j'aurais pu mettre un Q. En fait, là, en mettant un E, j'ai 0% de chance de pas la tuer. Si c'était un peu plus serré et que j'étais à deux doigts de mourir si je faisais de la merde, bon là, peut-être que j'aurais pu engager avec un Q et directement la DPS. Mais là, en commençant avec le E et en attendant qu'elle soit slow pour mettre gentiment mon Q, là, j'ai 0% de chance de rater. Et c'est ce qu'on veut évidemment quand on est dans des situations comme celle-là où si je touche un Q dans les 3 prochaines secondes, la Jinx est morte à 100%. J'ai pas besoin de m'embêter. Donc vous voyez là, c'est une très mauvaise game. J'ai pas très bien joué. Mais j'ai pas arrêté de mettre de la pression, j'ai cru en moi. Est-ce que c'était bien joué? Non, mais vaut mieux jouer comme ça mal que ne rien faire et attendre que votre team gagne ou perde. Bien joué. J'étais un peu beaucoup là, j'ai pas les golds. En fait, franchement, je suis fed, hein. Mais Pike il me rend ouf, il est tout le temps sur ma gueule. Harry arrête quasiment pas un bisou. La Jinx ça fait super mal. Donc si je meurs, en fait, même si je fais du 1 pour 1 contre Pike ou contre Harry, ma team perd le 4v4 derrière, y a aucun doute. Regardez les dégâts que je prends par Harry, c'est. Merde. C'est un peu beaucoup, faut que je pique un peu plus là. Dès qu'il spawn. Je crois que c'est en train de fight sans moi. Ils ont win. De toute façon, tant qu'il y a Paris, normalement ça devrait le faire. On va mettre une ward super forte. Celle-là. J'ai envie de crever là, sérieux. J'ai raté mon poison. Mais elle est dedans. Bon, ça c'est un bon 1v2. Enfin, heureusement que j'ai esquivé le poison. Franchement, je vous dis, la Harry depuis tout à l'heure a touché ses bisous. Là, j'ai l'impression que j'ai esquivé un bisou que j'aurais jamais dû dodge. Et si je me le prenais, j'étais mort. Par contre, Diego qui vient Panachor, c'est une honte. Hein. Ça, vous voyez, c'est pas normal. En plus, je l'ai écrit dans le chat. J'ai dit, les gars, on fait Nashor. Je viens de faire 2 kills. Ils ont tué tout le monde. Et là, le Diego, il va faire quoi? Il va faire les vrais. Je sais pas ce qu'il allait faire. Le problème, c'est que là, maintenant, ça va être un petit peu tard. Chaco est là. Je vais pas aller tuer Chaco. Ah, il est là. Nice, super. Ah, dommage. Le vrai, c'est lui. Ouais, on a vu. Super. Je vais essayer de me mettre en cul. Je l'ai touché. Hein. Non, ça a pas compris. Il a pas le temps d'arriver là. C'est super. On va la mettre sur la fac. Oh putain. Oh, mon dieu, ce que je viens de faire. Oh là là, mais attends, mais je viens de faire un flash. Ah dommage, par contre tout le monde est mort. Je sais pas si tout le monde est. Moi je suis d'avis que c'est jamais trop tard pour faire un catalyst pour le sustain et les points de vie. Je vais TP pour rush le drag direct, je vais prendre la prio au bot. On peut même mettre la pression sur la T2, ce serait pas si mal. Après le problème c'est qu'ils vont venir et ma team. Attends, mais ils sont en train de fight. Oh putain, bah j'ai plus le choix. Ah, ils sont en train de perdre le fight. Enfin, ils perdent pas le fight, mais en tout cas ils le perdront assez vite, ou ils le gagneront assez vite pour que ça serve à rien que je décale. C'est plus ça qu'il faut se dire. Et puis là je gagne quand même 700 gold. Bon, ok, bon ils ont gagné le fight au final. Ouais, ce que je veux dire en gros c'est que. Le fight était tellement déjà engagé que j'avais pas le temps d'écart. Et de toute façon, quand il y a eu le début du trade, j'avais pas de TP flank. Les creeps étaient trop derrière. C'est plutôt lucky qu'on ait. Après, bon, on a quand même eu dash. Hein. Dans tous les cas, la phase d'avant était worse. On avait fait 5 pour 1, donc on est revenu avec tellement de gold que là, on était beaucoup plus fait qu'eux. En fait, on aurait pas dit parce qu'on venait de faire du 5 pour 2 dans le fight d'avant. Mais ouais. Faut vraiment comprendre que. On a quand même gagné masse thune.
Et ouais, vous avez vu là, du coup, la phase de jeu bot avec la TP, comment elle a fait le taf. Parce que là, normalement, bon, on aurait. En fait, même si ma team avait fait de la merde. Ouais, c'est un peu difficile. On a beaucoup de spells. Alors, j'en ai marre de prendre tous ces bisous, vraiment, gros. Ouais, je peux la tuer. Hein. Ouais, mais c'est. J'aurais pu lui faire confiance direct et la kill. Je sais pas pourquoi je lui ai. J'ai cru qu'elle faisait beaucoup plus mal que ça là. C'est un peu bizarre. On sent qu'ils ont joué à des jeux vidéo où faut bah, viser des spells et tout machin. Mais dès qu'il s'agit de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe sur la map, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Allez, les mecs sont complètement perdus. C'est vraiment vraiment dommage parce que là, bah, typiquement, on prenait mine, on se cassait quoi. Ah, vas-y, c'est bon. Je sais pas comment il touche son grab. En fait, je me prends tous les skillshots de la game là. Ça devient un peu chiant. Je me fais quasi. Ouais, ils esquivent tout en plus. Et vous voyez, on a pas pris l'inibot. Donc là, on aurait pris l'inibot. Ça aurait push peut-être la T4. Mais. Ah, c'est un peu dommage. Hein. Franchement, les amis, là, j'en ai un peu marre. je pète un peu en cette game en plus. Regardez l'avance mid. Hein, j'ai 96 de plus. Fin... Et Jinx 16-9. En fait, ça fait 20 fois que j'ai cette dive et je dois pas dive. En fait, contre leur compo, je peux pas dive. Shaco, il passe invisible, Harry a peu dash. Pike, il met des grabs, il me remet sous la tour, il me slow. C'est un enfer. En fait, je suis giga agressif, mais pour l'être, il faut que j'ai un peu plus de réussite. Je peux pas me permettre de jouer comme ça. Chacun des moves que j'ai fait depuis tout à l'heure aurait dû passer, mais. À chaque fois, ça joue un millimètre. Bon, après, on est à 1 de la soul, on a le lâcher en 40 secondes. Alors là, ce qui peut être super smart, c'est d'aller évidemment bot lane. Alors on pourrait dire, bah, c'est vrai, il y a un achat dans 40 secondes. Je vais le ping comme un fou. En fait, là, si vous voulez, j'ai une TP. On va éviter de faire check tous les bushs, mais quand même. Là, je vais faire un gros push bot maintenant et ça va timer pile poil. En fait, là, s'ils veulent défendre la bot, ils peuvent plus défendre le Nash. Et s'ils envoient pas au moins deux personnes bot, ils me tuent pas. Enfin, trois. Ok, elle vient de R. Ok, c'est gagné en manache. Ils sont lâches ou pas? Ah, ils sont en train de fliquer les vagues. Bon, ouais. Ils ont essayé de défendre le short. Sauf que manque de peau, bah. Ils étaient que 2 contre 4. Donc, évidemment, moi j'étais en 1v3. Bon, j'ai quand même fait un kill. J'aurais aimé en faire 2, mais la Jinx fait trop mal. Là, c'est pas possible. C'est quand même très bien joué. Donc vous avez vu, vous me dites ouais Sardoche, il y a Nashor. Et en fait en allant bot je donne Nashor à mon équipe. Alors que pourtant c'est top. Et en vrai j'aurais même pu TP s'il y avait besoin. En fait si personne était venu bot j'aurais juste TP top. Et on aurait fait le dash ensemble. Alors là moi je vais push. En fait là on a la soul, c'est super important mais on a le temps de finir en fait. Surtout que je booste les creeps, ils vont avancer un peu. Allez je vais arrêter de me prendre ces spells, elle m'a saoulé là. J'ai pas de faire de tout, j'en ai envie. Et c'est la seule. Ok, c'est pas mal. Ok. J'ai des CC. Elle peut pas dash. Et ouais, elle est bloquée sur la fac, c'est bien. J'ai bien fait de la garder parce que contre pack ça servait pas à grand chose. On va essayer de la one shot la clé. Elle est pas le temps derrière, voilà, parfait. On va essayer de finir ça pour le KDA. Let's go! Alors c'est marrant parce que je fais 17-10. On a l'impression que j'ai un V9. Et en fait, j'ai vraiment fait une game affreuse. C'était pas terrible. Mais bon, il y avait des trucs intéressants. Genre, déjà, le snowball early, vous avez vu. Même si j'ai une belle avance, 26 de plus, 1 kill machin. Pff, je suis le jungler en 1v2, je les domine. Non, mais c'est. Malheureusement, ça suffit pas à sécuriser et à pour autant s'en foutre. Ça se passe pas bien quand on fait ça. En fait, fallait que je sois plus attentif à Harry, vous voyez. Je l'ai un peu disrespect, j'ai avancé en mode, bah en fait, je suis meilleur que toi, je vais te courir dessus, mais le bisou d'Harry, c'est très fort. Vous avez vu, quand même, on a fait beaucoup de dégâts dans les fights. Bon, je considère que j'ai pas très bien joué, mais il y a eu 2-3 phases de pression, où, bah, premier dash et deuxième dash, en fait. Voilà, bon, j'espère que la game vous a plu, et à demain pour la prochaine.